Bonjour à toutes et à tous, c'est Luigi Colombe, j'espère que vous allez bien, ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo où je vais vous présenter ce luminaire là, donc une boule opale de chez Philips. Donc commençons. Donc voici le luminaire de dessus. Ce qu'on va faire c'est que, merde, tapis se barre avec. Ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer ça un peu en caméra libre. Donc c'est une boule opale 500, donc c'est quand même assez grand. Donc voici la lumière d'un côté. Désolé pour mon doigt, de l'autre. Dessus. Je vais remettre là. Donc maintenant, je vais vous montrer l'embase. Donc là, on a l'embase du luminaire. Donc c'est une boule blanche, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc c'est assez répandu, mais bon, je me suis dit que j'allais prendre ça. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une petite boule, en plus une boule des années 80. Donc voici l'embas, donc on voit Philips, un petit truc et un logo avec une goutte d'eau, et le logo Philips, deux vis clé Allen. Et j'ai aussi remarqué que toute la merde stagnait autour de ça, vu que la pluie elle coule par dessus, elle va là, quand c'est dans l'autre sens. Hein. Sinon, de côté ça donne ça. De dessus ça, de tous les côtés ça donne ça, enfin c'est une boule. Mais en soi, le luminaire c'est ça, avec le bloc appareillage, et la vasque c'est ça. En réalité le luminaire il est petit, c'est juste une immense vasque. C'est ça le luminaire. Mais bon, celui qui a le design et ce luminaire, ben franchement il a bien joué parce qu'il en a vendu un des boules. Hein. Je vais ouvrir maintenant. Donc ce luminaire là, il est appareillé. Bon, je crois qu'il me manque un bout là, qu'en fait qui va sur le mât. On dévisse. Là, c'est dévissé à fond. On dévisse. Donc, j'ai aussi réorganisé toute ma collection. Donc, je vous montrerai ça prochainement. Donc, d'abord, je vous posterai une vidéo de ma collection avant. Réorganisation. Donc à la base je disais que je devais déménager parce qu'en fait je devais déménager mais ça s'est annulé. Donc du coup je garde cette chambre, du coup cette collection. Et donc voilà, je posterai la vidéo, donc ça faudra pas en tenir compte. Je posterai la vidéo et je posterai la vidéo de maintenant quand tout est réorganisé. Donc maintenant passons à la vidéo. Donc là on a la boule, donc pour le sortir on doit tirer du côté d'une vis, tirer, et après on peut sortir tout le support. Voilà, donc voici dans la boule. Donc vu que c'est une boule blanche, et eh ben elle n'est pas jaunie, ce qui est plutôt pas mal. Il y a un peu de merde dedans, mais parce qu'en fait ils étaient comme ça sous la pluie, ils traînaient dans la rue. Et au final, et ben après, on a pu les récupérer. Voilà, donc j'ai enlevé la boule du cadrage. Là, on a l'embase. Embalage d'origine, donc on peut plus bien lire, mais c'est un vieux Philips des années 80-70. Le bornier, donc je vais pas le dévisser parce qu'il se casse. Quand même, j'ai récupéré plein de platines et tout de boules. Donc il y avait 4 balasses comme ça, donc j'en ai donné 2 à Loïc. Et 2 pour moi. Et tout le reste, il m'a laissé. Donc, tout est d'origine sur cette platine. Donc, on va commencer par la lampe. Voici la lampe. Donc, une Osram HQL MBFU de luxe, 125 watts. Donc, la gravure est toute petite sur cette lampe-là. C'est un peu bizarre. Et dedans, elle est bien cramée. Mais ça va. Et. Le condensateur, donc elle date de octobre 80, donc de 1980. On a l'embase. En vrai, le luminaire c'est ça en réalité. Et la boule c'est la vasque. Et ça, il y a aussi le petit déflecteur d'origine qui est un peu tordu. Donc, il faut que je redresse. Là on a la peinture qui se barre sur le balai, je crois.
Ici, là, j'ai la peinture du ballast qui se barre. Mais bon, c'est... Tout est d'origine sur cette platine, donc je vais pas tout péter. Je vais tout garder d'origine. Donc voilà. Plutôt stylé, donc... on a la platine. Faut vraiment faire un peu la boule. La boule de toutes parts, elle est comme ça. Elle est juste un peu sale en bas, en réalité. Je vais passer un coup d'épaule, puis ça, ce sera bon. Voilà. Et la lampe. Donc, c'est plutôt cool, une boule en BF. D'ailleurs, quand j'étais petit, ça c'est une petite anecdote. Moi, j'avais une boule comme ça en face de chez moi pendant 3-4 ans. Ensuite, il y a un ami à mon père qui a foncé dedans avec la voiture. Donc, elle est tombée. Elle était même pas cassée sur le trottoir. Et après, ils ont mis une Philips Urbana Polar Opale aussi. Et après, maintenant, ils ont remplacé ça par des luminaires LED roll. Bizarre comme ça. Et plat au-dessus. Et sinon, bah voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à liker et à t'abonner. Allez, ciao!